Bonjour! Today we are going to learn some practical vocabulary. Should you need to get a haircut in France, in French? Okay, so let's have a look at some very practical sentences. Should you need to go to chez le coiffeur at the hairdresser? Le coiffeur. So, numero one Le coiffeur ou la coiffeuse for feminine. Je voudrais prendre rendez-vous avec le coiffeur ou la coiffeuse, s'il vous plaît. I would like to book an appointment with a hairdresser, please. Numéro 2. Se faire couper les cheveux. To have a haircut. Je dois me faire couper les cheveux. I need to have a haircut. Numéro 3. Une coupe de cheveux. A haircut. Cette coupe de cheveux est très tendance. This haircut is really trendy. numéro 4 avoir les cheveux courts, longs, mi-longs. Court being short, long being long, mi-long being length uh, shoulder length hair. Mi-long comme moi. Ma fille a les cheveux courts. Ma fille a les cheveux longs. Ma fille a les cheveux mi-longs. My daughter has short long shoulder length hair. Avoir les cheveux raides which is straight hair, bouclés which is curly hair ou frisés, frizzy hair. Avoir les cheveux raides, bouclés ou frisés. Elle aimerait avoir les cheveux bouclés. She would like to have curly hair. Numéro six, Les cheveux fins ou les cheveux épais fine hair or thick hair cette coupe est idéale pour les cheveux fins this haircut is ideal for fine hair numéro 7 le shampoing shampoo quel type de shampoing utilisez-vous what type of shampoo do you use numéro 8 l'après-shampoing the hair conditioner souhaitez-vous que j'applique un après-shampoing would you like me to apply some conditioner après means after, after shampoo, l'après shampoing. Numéro 9, un brushing ou un brushing, blow dry. Je souhaiterais prendre rendez-vous pour une coupe et un brushing, s'il vous plaît. I would like to book an appointment for a cut and blow dry, please. Numéro 10, une permanente, a perm. Non, je n'ai pas besoin d'une permanente, juste une petite mise en plis. No, I don't need a pump, just a little styling, une petite mise en pli. Numéro 11. des mèches highlights. Pourriez-vous me faire des mèches blondes? Could you do some blonde highlights? I don't need any because I'm blonde anyway. Numéro douze, une couleur, une coloration, a couleur J'ai besoin de faire refaire ma couleur, que me conseillez-vous? I need to have my color touched up, what would you advise? I don't need, that's my natural color by the way. Numéro 13, la raie, the parting. Vous préférez la raie au milieu ou sur le côté? Do you prefer a middle or a side parting? Numéro 14, la frange. J'aimerais une frange un peu plus courte. So, la frange is the fringe. I would like a slightly shorter fringe. Numéro 15, un dégradé. Ou en dégradé, layered. Pourriez-vous me faire une coupe en dégradé? que you do a layered cut? Numéro 16. Une coupe en brosse. A, a crew cut. Mon fils a besoin d'une coupe en brosse. Dois-je prendre rendez-vous? My son needs a, gru, a crew cut. Do I need to book an appointment? Now, who has a coupe en brosse nowadays? Huh? Numéro 17. Des pellicules dandruff, traitement anti-pelliculaire, anti-dandruff treatment. I don't need that. I have no pellicule. J'ai beaucoup de pellicules. Pourriez-vous me recommander un traitement anti I have a lot of dandruff. Could you recommend an anti-dandruff treatment? And as I said, I don't need any because I have no pellicule. Je n'ai pas de pellicule. And as a matter of fact, I never go to the Coiffeur, chez le coiffeur. I tend to cut my hair myself. Just like this. So, je prends un ciseau et je me coupe les cheveux. Je vais comme ça. Comme ça. Ok, maybe I do need a hairdresser after all. J'ai besoin d'un. Oh, regarde, ça part, ça va, ça part. Voilà, très bien. Now one more thing when we say at the hairdresser we say chez le coiffeur rather than au coiffeur so we tend to say chez when the noun that follows the preposition refers to a person rather than a place and a coiffeur is a person so we say chez le coiffeur the same way as you say chez le docteur at the doctor's so, or chez Le dentiste. Okay? So make sure you don't say oh coiffeur and oh dentiste. It doesn't sound right. Doesn't sound right, more like. Okay, that's it for me. Have a look at the other survival videos. They're awesome. And if you want the support guide with this lesson, why don't you join us and become a member and click on the little join button below. Here, yeah. leave a comment and subscribe to Love French with Alexa if you want to be kept updated by what's going on next.